Abonne-toi. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un produit que tout le monde connaît, l'olivette. Et pourtant, l'olivette, il y a encore de l'innovation à faire dessus. Et je vais vous présenter quelles sont les innovations parce que c'est vrai que c'est un produit qui est utilisé depuis les années 70. Ça fait 40, 50, 60 ans que les gens utilisent des olivettes. Sauf que les choses ont bien évolué depuis le temps. Initialement, tout le monde utilisait des olivettes en plomb. Maintenant, dans les années à venir, on sait que le plomb sera malheureusement interdit dans nos eaux, donc il va falloir trouver des produits, des matières différents pour pouvoir justement pallier à cette interdiction. Donc certaines marques ont développé des olivettes en laiton, et d'autres comme nous, on est parti sur un autre mode, on est parti sur un mode tungstène. Alors le tungstène c'est quoi? C'est une matière différente du plomb, qui est beaucoup plus dense que le plomb. Pour vous donner une idée, le plomb, sur l'échelle de densité, c'est évalué à 13. Le tungstène, c'est évalué à 19, soit 30 à 40% plus dense que le plomb. Qui dit plus dense, ça veut dire à taille égale, on aura beaucoup plus de poids grâce à l'olivette tungstène. Voilà, alors quel intérêt de tout ça? L'idée c'est quoi? C'est d'avoir un volume plus petit pour la même masse. Alors ce volume plus petit, la chance qu'il va avoir, c'est qu'il va traverser beaucoup plus rapidement les couches d'eau et du coup votre ligne va être plus stable et va se mettre en place plus rapidement. Pour faire une comparaison rapide, sur les pêches de rivière, depuis des années, il y a eu des sortes des flotteurs plats. Donc en fait, exactement comme avec les flotteurs, en fait pour la masse de balsa qu'on utilise pour un flotteur plat ou pour un flotteur boule est la même. C'est la disposition et c'est sa forme qui fait que l'impact sur le courant est plus léger avec un flotteur plat qu'un flotteur boule. Là, avec l'olivette, on va gagner simplement en tungstène, on va gagner beaucoup en termes de stabilité et de mise en place de la ligne parce que son volume sera plus restreint, donc le courant aura moins d'impact sur elle et du coup la tenue de ligne sera que meilleure. Au-delà du fait que ça descend plus vite, il y aura moins d'impact du courant sur l'olivette. Voilà. Donc ça, c'est quand même des éléments très, très importants. Alors, on va maintenant vous montrer quelque chose de très, très, très original. Donc, il y a deux modèles qu'on va vous présenter. Il y aura le modèle qu'on appelle inline. Alors, inline, c'est quoi? C'est simplement que le fil passe à l'intérieur de l'olivette. C'est quelque chose de classique, de connu. Une olivette avec une gaine dans son centre et l'olivette est parfaitement centrée sur votre ligne. Elle est captive sur votre ligne. Et elle sera parfaitement centrée. Alors la petite innovation qu'on a fait au-delà de la matière, c'est qu'on a utilisé des tubes en gaine silicone pure, donc déjà ce qui vont préserver le lien entre votre corps de ligne et l'olivette, donc l'olivette ne pourra pas abîmer votre nylon, mais aussi on a utilisé un diamètre de gaine silicone très petit pour encore optimiser la taille de l'olivette, pour la rendre la plus petite possible. Bien sûr, si on met une grosse gaine à l'intérieur, on crée un gros espace de vide et d'air, en gros, qu'il faut combler avec une gaine en plastique qui ne pèse rien. Là, on a réduit le trou à son plus petite expression, vraiment le plus fin possible, pour y glisser la gaine la plus petite possible. Donc, au-delà du fait qu'on réduise encore son volume, aussi, on améliore son centrage, parce que l'olivette étant sur une gaine très fine, quand vous allez tourner votre olivette sur la ligne, elle va être parfaitement centrée. Voilà, ça, c'est quand même un élément aussi très important. Et à côté de ça, on aura un autre modèle, qu'on appelle le modèle online, le fil sera à l'extérieur de l'olivette. Donc l'olivette sera plus captive de la ligne, on pourra s'amuser à faire évoluer le montage en cours de pêche. Il y aura deux gaines silicone de part et d'autre. Je vais prendre l'olivette dans la main pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez l'olivette, vous avez une tige qu'on voit en dessous. Sur cette tige, il y a deux petites gaines silicone. Donc il va falloir simplement passer les gaines sur votre fil, sur votre corps de ligne, et là vous pourrez coincer votre olivette à votre guise, à l'endroit où vous voulez, grâce à ces deux petites gaines silicone. Voilà. Et on pourra, en cours de pêche, faire évoluer le montage en enlevant simplement les gaines, en remplaçant l'olivette, pour avoir une olivette soit plus lourde, soit plus légère, pour remettre plus ou moins de plomb sur la ligne. Ça permet d'avoir des montages évolutifs. Donc, modèle inline, fil à l'intérieur de l'olivette. Modèle online, fil à l'extérieur de l'olivette, avec un montage évolutif. Pour vous montrer un peu l'impact de ces nouvelles matières sur le volume. Voilà. Là, j'ai pris une olivette qui fait 2,5 g. Une olivette du commerce traditionnel. À côté, je vais présenter une olivette en tungstène de la même portance. Bon, là, je pense que vous avez tout de suite compris, au-delà des grands discours, de la force du tungstène. Déjà, la finition, la matière, elle est juste parfaite. Les olivettes sont gravées, c'est-à-dire qu'en fait, le poids est marqué sur chacune des olivettes, donc impossibilité de les mélanger. Il n'y a pas de problème, hein, vous allez repérer très facilement et les différentes portances des olivettes, et en termes de volume, voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus petit. Voilà, donc là, c'est vraiment hyper important. Donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, on voit qu'il y a deux impacts.
il y a l'impact de la gaine qu'on a utilisée qui est très petite par rapport à la gaine traditionnelle utilisée par la plupart des olivettes présentes sur le marché. Donc on est vraiment sur un modèle très innovant en termes de matière, mais surtout en termes de conception globale de l'olivette. Les olivettes sont disponibles de 0,3 jusqu'à 2,5 g. Il y aura 9 modèles de mémoire, on va faire simple, 0,3, 0,45, 0,60, 0,80, 1 g, 1,25, 1,50, 2 et 2,50. Aussi bien en modèle inline que online. Dans les deux versions, vous aurez les mêmes grammages disponibles. Voilà. Donc je vous invite à découvrir ces produits qui sont vraiment d'une super qualité et qui sont pour moi une réelle innovation dans un produit qui pourtant existe sur le marché depuis des dizaines et des dizaines d'années. Voilà. À très bientôt les amis. Ciao.